Je m'intéresse à ce qui se passe maintenant. C'est comme si j'avais envie de laisser un témoignage sur comment c'était aujourd'hui, donc. Ben, c'est sûr que c'est ma vision. Il y a une grande part d'imaginaire aussi. Ça se transforme un peu dans ma tête. Souvent, c'est une façon aussi pour moi d'essayer de comprendre les incohérences de notre monde ou des choses qui me paraissent pas avoir de sens. Peut-être une façon d'essayer de les comprendre à ma manière, peut-être, ou peut-être juste parce que je les comprends pas, que ça me chicote dans ma tête. Souvent, c'est comme... je vais commencer un projet avec un... J'ai une idée de la vue d'ensemble, ce que ça va donner. Petit à petit, j'ai bâti en créant les scènes, les histoires, un peu comme un livre, peut-être, comme on bâtit. On a l'idée globale, puis après, ça se rajoute des morceaux d'histoire. C'est un peu, je dirais, quasiment comme de la BD en 3D, surtout dans ce projet-là. C'est comme toutes des petites cases, puis tu fais le tour, puis tu reconstruis l'histoire.